prophétique Rehoboth à la patinoire de l'hôtel d'Ivoire. Je dis, nous te donnons rendez-vous. Parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que tu entres dans ta grâce. L'heure a sonné pour que tu adores Dieu en esprit et en vérité. L'heure a sonné pour que tu impactes ton milieu de vie, ton lieu de travail. Je dis, quand tu passes, ton nom signale qu'il y a quelque chose sur ta vie. Lorsque tu pars, encore le monde dit, c'est qui la personne est bénie. Je dis, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que l'humanité entière entende parler de toi. Parce que le Seigneur t'a donné sa faveur. Il t'a couvert de son onction. Il t'a couvert de la tulipe. Alléluia. Je veux t'appeler, je dis bienvenue à Rehoboth. Bienvenue à ce lieu de ton élargissement. Bienvenue à ce lieu de ta prospérité, de ton élévation, de l'intimité véritable avec Dieu. Je dis, quelque chose se passe dans l'atmosphère d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Dans un coin du monde, quelque chose se signale depuis Abidjan. Or, mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Pour que je glorifie le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Que se passe-t-il comme aujourd'hui? Dans la poussière, dans la glace, sous la chaleur, je dis l'heure a sonné. Mon frère, n'attends pas les salles de baptiser. Va proclamer Dieu là où il t'a fait et où il t'envoie. Ma soeur, je dis n'attends pas la salle climatisée. Un podium bien dressé. Va, la rue a besoin d'entendre le message de vie. Oh, c'est une affaire de ce maintenant. Ce n'est pas après, mais maintenant. Le chant dit, mon heure a sonné où je dois me lever. Comme un grand soldat de l'armée d'Israël, toi qui m'écoutes dans ta pièce où tu te trouves en ce moment, je dis, tu dois te lever comme un soldat de l'armée d'Israël. Parce que c'est le temps pour toi de te lever. Dis amen avec moi. Est-ce que quelqu'un est convaincu de cela? Comme un grand soldat de l'armée d'Israël.
parler.